Salut les refs, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu, j'ai une nouvelle voiture. Sauf que la couleur ne me plaît pas, les gars. Vous savez que le jaune, c'est ma couleur préférée et je veux absolument une voiture jaune. Voilà ce qui va se passer. Aujourd'hui, je vais faire un covering jaune sur mon Audi. Et Valence Auto m'a donné un petit challenge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un poseur qui va venir m'aider à poser le covering. Mais par contre, à partir de demain, je suis tout seul. Et ça, j'ai très peur. Avant de faire cette vidéo, j'ai demandé à beaucoup de professionnels autour de moi. Beaucoup de personnes m'ont dit, fais pas ça, tu vas faire de la merde. C'est une erreur. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, faut minimum 2 jours pour un poseur pro. Nous, on va essayer de le faire en 24 heures top chrono. Et bah aujourd'hui, on va essayer de te challenger et de faire ça. Bon les gars, il y a GC Prod qui est venu m'aider parce que ça va être compliqué. Compliqué hein. Et toi, le petit rétroviseur afin que le covering colle bien les gars, qu'il n'y ait pas de particules. Tu vois tous les stries. Ouais ouais. Ah ouais. Ok. C'est trop satisfaisant. Bon chance, c'est parti. Ça va être très très chaud. Bon les gars, c'est parti. Le poseur pro là d'ailleurs, merci à Christopher les gars, de Variance Auto. Il est trop sympa. Il me met à l'aise mais il me fait beaucoup trop confiance. Il m'a dit vas-y tu peux couper. Il me regarde pas ce que je fais, j'ai trop peur les gars. Personne avec moi, j'ai besoin d'être comme à l'école où on me dit vas-y allez fais-le, je te regarde. J'ai trop peur de me faire engueuler. Mettez tout de suite votre meilleur pouce bleu et abonnez-vous s'il vous plaît parce que je prends des risques sur cette chaîne. Pas du tout. Les gars, j'ai pas envie d'avoir le covering le plus pété de chance s'il vous plaît. Bon les gars, je le dis loin du poseur parce que j'ai honte s'il voit la fin. Pour l'instant j'ai l'impression que ça va très bien se passer. Je commence à avoir une lueur d'espoir que non, en me disant que ça va rendre bien finalement. Il me met tellement à l'aise, il commence à me donner espoir. Bon les gars, le pare-choc terminé. Vous êtes prêts à voir le résultat? Bon là on a bien avancé là. On a fait ici la portière, on a refait aussi le rétro. Pour être honnête c'est Christopher qui a refait le rétro. Donc là il est beaucoup mieux. Ici on a fait le toit aussi. Là aussi regardez l'arrière. Ici, il manque quand même pas mal de trucs hein. Voilà, là aussi là. Non là ils ont fait une petite connerie mais ça va, on va pouvoir le rattraper. On va l'enduire tout ça là et on va le refaire. Et ici par contre on a pas du tout fait. Pour l'instant de plus en plus Christopher il est en train de nous aider de moins en moins. Comme ça après dès qu'il part on va tout faire nous mêmes. Là j'ai enlevé le logo. Et on va aller le peindre en noir. Et voilà le logo en noir. T'as vu, c'est propre, j'ai fait le tour de rétro. T'as vu, c'est propre, hein. Je peux enlever la feuille. Non. Pourquoi? Bah, pour voir. Bon, j'ai fait un peu de merde. Je vais essayer de me rattraper. De toute façon, regarde, il manquait le rouge là. Pas de jaune, le mec a rien compris. Donc là, je vais racheter du jaune. Ouais, on va essayer de faire ça propre. Voilà, t'as vu? Ah putain, non, il manque. Il faut ça, mais un peu plus grand. Putain, c'est presque bon. Putain, je sais pas couper droit. C'est droit ça? Non, c'est pas droit. C'est bon, mec, regarde, j'ai remis mon petit bout. Là, j'ai plus qu'à faire mes petites découpes. Je sais que je peux le couper là. Et je sais que là, je peux le couper aussi. Je suis vraiment pas sûr de mon coup. Faut que je vais ça. Voilà, ce bout là, les gars. Ok, let's go. Allez, c'est une opération spéciale. Ok, ça va être plus compliqué que prévu, Justin. D'abord mettre ça à l'intérieur. Est-ce que vous m'avez déjà vu autant concentré sur cette chaîne YouTube? Trop pas, hein. C'est bon. Juste, on a réussi la guerre, toi qui va me tuer. Chris, t'en penses quoi de mon attrapage de conneries? C'est pas trop mal. Là, je dois rechauffer ce que je viens de mettre ou non? Pas la peine. Faut toujours tout rechauffer. Là, t'as une petite interstice. Oh, oh, oh. Mettre l'autre poignet. Chaud. Bon les gars, moi je vais m'occuper de finir de là, couper tout ça. Et lui, Pio, du coup les gars au cas où pour ceux qui connaissent pas, c'est mon beau-frère. Il m'accompagne sur tous les tournages horribles, mais là il kiffe. Regardez là pour faire la poignée, c'est horrible, il se démerde bien. Les gars, je vais vous laisser avec lui, Pio va vous divertir et il va essayer de bien parler français. T'as pas le droit de dire un seul mot italien, ok? Interdit, c'est bon. Ah oui, attends, comment on dit, veut dire merci Merci beaucoup. En fait les gars, il apprend très bien le français. Ça fait quoi? Ça fait un an que t'es en France là. Ouais. Et c'est copain de ma soeur du coup. Et il arrive pas à dire merci beaucoup. Du coup il dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Sauf que la dernière fois il était au tabac pour acheter ses clopes. C'était une dame à la caisse et il lui dit merci beaucoup. Et elle lui regardait en mode t'as regardé comment? Mais souvent dans les bars tabac un peu genre surtout si c'est une femme qui travaille, elles sont souvent emmerdées par des gens qui sont bourrés ou les gens chiants quoi. Donc là elle a dû se dire putain encore un relou. Il a juste voulu être gentil et dire merci beaucoup. C'est trop mignon mais le pauvre putain. Ah bref voilà, soutenez-le dans les commentaires. Merci. Mettez un max de merci beaucoup dans les merci commentaires. Beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vas-y là. Hein? Coucou bé. Apagna. C'est comme ça non? Ou bien sur TikTok. Apagna. Antistressant. C'est TikTok antistressant. Oh oh oh. Oh, la vérité, c'est incroyable. Salut Tumun! Merci beaucoup à Tumun! Abonnez-vous, Anthony Priolo! Bon, les gars, on a fini là, la petite. Qu'on appelle ça la poignée de porte. C'est un peu une galère. Regardez comment je l'ai bien fait. C'est moi. On l'a bien fait, j'ai dit. Regardez comment je l'ai bien fait. Ah, c'est horrible! Attends, puis on peut vraiment mettre les deux en même temps, je te jure. Tu me fais pas confiance depuis tout à l'heure. Bon les gars, en attendant, mon beau-frère quand on a essayé de remettre la portière, enfin la poignée de porte, j'en peux plus. Venez, on va faire un petit truc cool. Je vous l'ai pas dit, mais pour cette vidéo, j'ai acheté quelques petits trucs pour mettre en plus dans ma voiture. Des petits étriers jaunes en plastique pour mettre sur les étriers. Les étriers, c'est ça les gars. C'est ça, le truc qui permet de freiner. Je veux aussi faire les jantes noires, peut-être pas dans cette vidéo. Ça, suivez-moi sur Instagram si vous voulez voir un peu l'évolution de la voiture. Vous avez fait ça aussi les refs. Un truc pour mettre genre sur les roues, mais je pense qu'on va plutôt mettre à l'intérieur sur le tableau de bord et tout. Et aussi ça les gars. Pour mettre sur le volant.
Moi je sens que ça va être très très moche. Je le sens. Parce que déjà mon volant il est beau. Bon je le dis quand même au cas où. Si jamais il y a des gens qui regardent la vidéo en mode qui sont passionnés de voiture et tout, je m'y connais absolument pas. C'est juste un kiff que je voulais me faire pour la vidéo, c'était cool et tout. Donc commencez pas à dire le covering c'est dégueulasse, c'est mal fait ou ça c'est nul, ça fait kéké ou quoi. Les gars, je fais juste ça pour m'amuser, c'est tout. Oh là là, c'est une galère en plus à mettre. En vrai ça fait beau avec les petits traits jaunes, tu vois. On va continuer le covering. Les gars, c'est pas prêt de terminer. Il est quelle heure là? Ah bah, on m'appelle. Bisous. Bon les gars, finalement en fait, bon le covering c'est mieux. On se rend compte que c'est moche, donc on enlève. Non, je rigole, en fait regardez. En fait là ici, il y a quelqu'un qui a fait une petite erreur. C'est moi. Et les gars, je vous l'ai dit, le challenge c'est de poser le covering à moitié seul, mais surtout que ce soit bien fait et de le garder sur du long terme les gars. Donc c'est pas juste je fais une vidéo à l'arrache de merde. Ils m'ont envoyé du bon matos et les gars, ils m'ont envoyé ça gratuitement et je leur ai dit en retour, je vais m'appliquer pour faire le mieux possible, montrer que bah ce que vous vendez c'est pas de la merde et surtout qu'on peut réussir à le faire soi-même. Donc let's go les gars, on retire ça et on le fera mieux tout à l'heure. Oh putain, c'est dur à enlever hein. C'est une dinguerie à enlever. Ah c'est tellement moche quand tu revois le rouge. Oh trop mignon, je viens de recevoir un message du custo les gars. Ceux qui ont pas encore vu la vidéo d'Inox que j'ai sorti, elle est folle. Et le custo que vous avez vu dans la vidéo, il est trop mignon. Regardez le message qu'il m'a envoyé. Elle est incroyable la vidéo, le montage est juste waouh. J'ai pas les mots, vous avez tout donné. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Juste GG. Il est trop mignon. Les gars, première pièce qu'on va faire sans notre frérot Christopher. D'ailleurs un maximum de Christopher c'est le boss, s'il vous plaît. Parce que sans lui, je le répète. Donc là déjà on le retourne. Christopher, on retourne. Enfin on retourne pas Christopher, on retourne le Corey. Ok. Là maintenant on va, regardez, on va prendre un petit bout et on va le coller là. Allez c'est parti. Regarde Christopher. Là faut s'arrêter par là. Là faut pas se foirer parce que sinon on va louper une grosse pièce. Je parle pas d'une pièce de 2€. Ah, tu m'as fait peur Pio. Regarde Christopher. Les gars, c'est parti, on a nettoyé la petite surface et là on va venir poser le covering. J'ai l'impression d'être un professionnel quand je parle mais vous allez vite le voir quand je le pose que je ne suis, que je ne suis pas. On a le truc ou pas là Pio? Tire-le bien, vas-y, prends-le bien. Attends, mais déplie beaucoup Pio, parce que là j'ai peur qu'on soit pas super bien là. Je crois qu'on fait mal pris là. Ouais, faut vite le tendre Pio. Ah, t'es malade en deux. Tous les gens qui m'ont dit c'est impossible à faire solo, je sais pas quoi, bah on se sent très bien non? Non, c'est pas horrible. Pio. Oui. Enfin, il est tout droit là, bah oui. Bon les refs, on a bien mangé, on a fait une petite pause, on est fatigué et on va faire le pare-choc, la pièce la plus dure qu'il nous a dit. Donc on l'a fait maintenant alors qu'on est fatigué, on vient de manger. Je fais un peu plus. En tout cas, le résultat pour l'instant est cool. Bien évidemment, suivez-moi sur Instagram, il y aura un gros post avec la nouvelle voiture. Je compte sur vous pour aller vous abonner à mon Insta. Hop, on nettoie la pièce et après on pose. Là, touche plus ici, Pio. Là, ici, c'est bon. Bon, les gars, on a fait les deux côtés. C'est stylé, non? Sachez bien, je le dis, il y a une pièce que celle-ci, on l'a fait. Et j'ai fait de la merde, du coup, on a dû la décoller. Je vous fais un petit check de ce qui reste. On va attaquer en bas, du coup. Après, ici, ça fait des heures qu'on galère avec cette putain de poignée. Il reste cette portière à faire. Après, du coup, faut refaire l'aileron. Après, faut refaire ça. Et après, voilà, c'est ça, on a fini. Hein. Et non, les gars, il reste tout ça. Les deux portières plus les deux ailes. Les gars, là on s'attaque à la pièce la plus chaude. On s'est dit, vas-y, pour gagner du temps, on en fait une chacun. Là en fait, c'est super chaud parce que regardez, enfin, je peux pas vous montrer, mais c'est un peu. Faut couper limite dans le vide, faut coller dans le vide. C'est atroce. On se fait chier depuis tout à l'heure à faire ça là. D'un coup, je fais, mais attends, mais. Ça s'enlève. Du coup, tu peux enlever ton truc. J'en peux plus. Bon, comme si c'était pas dur, je me suis dit, les trucs là-bas là, regardez, comment enlever. Je les ai pas en noir. Et je me suis dit, mais attends, mais ça aussi, il faut le prendre en noir. Tout et ça. Et les gars, on vient de regarder un tuto et c'est très long. Donc, bah, on a que ça à faire quoi. Ah oui, c'est minuit. 2 heures. C'est 2 heures. Bon, les refs. Pendant que Pio est en train d'essayer de démonter le pare-choc. Là, on est en train de dire, bon, il en reste de ouf. En fait, les gars, il reste que ça. Pour faire, bah, les deux trucs en bas, la portière, l'aileron. Oh là là, ça. Et toute cette partie là. Donc là, comment dire que. On est dans la merde. Pour l'instant, j'ai l'impression que ça va très bien se passer. Ouais, c'était démerdé. Oh la merde que c'est, putain. Les gars, pendant que je suis en train d'essayer de faire de la récup au maximum pour finir les petits bouts devant là. Y'a là, y'a Pio qui essaie de remettre le truc là. Il a fond. Vas-y, allez, allez. Si on entend pas le clic, c'est pas bon. Clic, copain. Vas-y. C'est clic. Salut. Vous avez vu les gars, regardez. Pas en noir, c'est stylé. Mais ça. Oui. Ça, on a abandonné il y a. Oui, c'est bien ça. Justin, le stagiaire, les gars, il a dévissé au moins 14 vis. J'en peux. Dans ma tête, on a encore l'après-midi, les gars. On a commencé à 14h. Il est 4h30. Allez, on lâche pas. Le travail, c'est la santé. L'avant de la voiture est terminé, les refs. Oh non, elle est incroyable. Les gars, 24 heures pour changer ma voiture. Putain, il y a encore beaucoup de travail à faire. Là, tout de suite, dans les commentaires, dites-moi votre avis. Est-ce qu'on aura assez de covering pour tout faire? Voilà ce qui reste. Que là, finir. Non, il fait jour. Il est
17h46. Et voilà, pas besoin de vous expliquer à la porte. Une catastrophe. Il nous manque du covering, du coup on est en train d'anticiper. Du coup on était obligé de faire des trucs comme ça parce que vu qu'on n'avait pas beaucoup, on devait... Là pareil, la poignée, on n'a pas réussi à la démonter, mais j'ai réussi à la démonter pendant qu'on le posait. Ça c'est génial, donc ça va falloir remettre ça bien, remettre ça bien. Il nous reste vraiment rien en covering là. Je sais pas du tout comment on va finir. De toute façon les gars, le but c'est de tout finir en 24 heures. Les gars là, il reste ça, celle-ci. Là les gars, j'ai fait tout l'arrière. Ça rend bien l'arrière, c'est cool. On vous voyait pas, mais il y a plein de petits détails là. J'ai dû faire un rajout vu que j'avais pas assez de bandes. Ça se verra pas en vrai. Là il y a des petits soucis. Bon là il reste tout ça là à faire. Là on a eu des galères de ouf. Mais là c'est vrai que les gars, ouais, de la gueule là, putain. Allez à toutes hein. Bon les gars, venez-moi, suivez-moi là. Regardez, je viens de finir cette portière là. Les gars, dites-vous que ça, on n'a pas pu la dévisser. C'était trop galère, on n'avait pas les tournevis pour. Et comme je l'ai dit, je voulais faire à 24 heures. Je voulais faire ça rapidement, efficacement. Donc c'est pas super propre. À la caméra, je suis sûr ça rend bien. Ouais voilà. Bah vas-y, zoom un peu. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petits défauts. Mais vas-y, c'est pas grave. Les gars, c'est la dernière pièce du puzzle. Après c'est juste des petits trucs comme bout. Tout ça. Là c'est un vrai 24h, il est 10h41 les gars. On est venu ici à 14h. Donc dans 11, 12, 13, 14... Waouh. Non c'est vrai. Incroyable. Dans 3h ça fait 24h qu'on est là. Dans 3h. Oh my god. Non j'ai pas d'énergie. Voilà elle est finie là. Je sais que c'est pas comme ça que vous voulez une fin. On fait le tour vite fait. On commence par là, très propre. Là j'adore, ok. Ensuite, ici on n'a pas réussi à remettre la poignée. Bon, on va la remettre, en tout cas la découpe est propre et tout ça. Ensuite on a l'arrière, regardez, avec le petit logo noir. Là c'est propre, ok, là j'aime bien. Ensuite on passe ici, et là, je vous le dis, ça commence à partir en couille. Le petit tour pour le réservoir, pas ouf. Ensuite là, aïe 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 aïe. La coupe, parce qu'on n'avait pas assez. Et les gars justement, je me suis pris un peu pour un con. J'ai dit au responsable, ouais c'est pas cool et tout, t'aurais pu m'en donner les siens en plus et tout, parce qu'on est débutants et tout. Et en fait je me rends compte qu'en fait c'est juste nous. On a fait une erreur de merde. Quand on a découpé tout ça, il fallait garder ça et ça tout en même temps. Nous, je crois qu'on a découpé ça et le reste, on l'a mis je sais pas où. Hop les. Donc voilà, après il y a là, bah pareil là. Si là on avait réussi à enlever le... Ah non mais là en fait je l'ai rajouté mais ça va. En vrai c'est pas dégueulasse là, cette partie là. Elle est pas dégueulasse. Là, enfin si pardon. Parce que au niveau du rétroviseur, on se souvenait plus comment il l'avait fait, Christopher. Et du coup bah on s'est dit vas-y on cut comme ça au milieu et qu'on l'a mis ça, il y avait ça. C'était une catastrophe, du coup j'ai essayé de modifier. Oh les gars, je suis fatigué là. Ouais, je suis d'accord avec vous, le covering il est pas parfait. Et c'est pour ça que Variance Auto m'ont proposé de refaire mon covering intégralement. Et si tu veux voir le résultat, ça se passe sur mon compte Insta. Donc encore une fois, merci à Variance Auto de nous avoir envoyé le petit covering. Ça fait trop plaisir si vous aussi vous voulez tester. Le lien est en description les refs. Je suis désolé, je suis HS dans ce tout trop. C'est nul, mais je suis mangé un peu plus. Allez, bisous.